He said something here on Wednesday, and a couple of you were not there. But I will say it again before we get into this preaching. That we have to be grateful and we have to fear God. Devons être reconnaissants et devons craindre Dieu. I prepared some stuff that says some God we fear and anti-constant. Said it's frightening. Yes, we have overtaken God for granted. Nous prenons Dieu à la légère. We have overtaken God for granted. Nous prenons Dieu à la légère. And it's difficult for you to enjoy the blessings of God when you cannot respect Him. Il est difficile de profiter de la bénédiction de Dieu si on ne peut pas le respecter. Because I did not frame that thing. Anticonstant. God asked Job. Tu n'as pas fait cela. That Job. C'est pas faux. You cannot speak to the lion. Dieu a demandé à Job. Job, tu ne peux pas t'adresser au lion. He said, Job, look at the wild animals. Il a dit, Job, regarde les animaux sauvages. When the storm is coming, they run away from the storm. Quand le tonnerre vient, ils fuient. And you are running away from the animals. Et toi, tu fuis ces animaux. And the animals are running away from the storm. Et les animaux fuient ce tonnerre. So the animals fear the storm, and you fear the animals. Il dit que les animaux ont peur du tonnerre. C'est quoi le Dieu qui a créé les animaux and the storm? Et il dit qu'en est-il de moi qui ai créé ces animaux et ce tonnerre? C'est Dieu qui a asking me why is bad things happening to me. I'm questioning. Dieu qui me demande pourquoi ces mauvaises choses m'arrivent. God is a loving Father. Dieu est un père aimant. But we can't take that for granted and be rude to him as if it's our mission. Fait comme si c'est notre camarade. We have to serve God with fear. Devons servir Dieu avec crainte. It's only with God that we take stupid excuses. C'est seulement avec Dieu que nous avons toujours des excuses stupides. You ask for excuses from God that you don't ask from your boss. Vous demandez des excuses à Dieu que vous n'allez même pas demander à votre boss. You ask God such excuses. Vous demandez à Dieu certaines excuses. You see, you're tired, you want to rest. It's only vous on Sunday. Vous êtes fatigué. Vous voulez être repoussé. You want to wash your dress. It's only on Sunday. Vous lavez vos habits. C'est seulement le dimanche. You cannot do those things to your boss, but you come and ask God that question. Vous pouvez pas faire ces choses à votre patron, mais vous voulez le faire, vous demandez à Dieu. And I said on Wednesday that. Et j'ai dit mercredi. If you just see and be analyzing what God is doing for you every day. Que si vous analysez tout ce que Dieu fait pour vous jour après. You will respect and love God that nobody would ask you. Vous allez respecter et aimer Dieu, personne ne va vous demander de le faire. Let's try. Don't breathe for 1 second, 5 seconds, 1 minute. Who? 5 seconds ou 1 minute. Qui va supporter? And then God says, you must respect me if I give you air. Who don't respect God? Si Dieu dit maintenant respectez-moi avant que je vous donne l'air pour respecter. But the fact that He has given us all these basic necessities for survival for free. Le fait qu'il donne ces nécessités basiques pour gratuitement. We shouldn't take it for granted. Nous ne devons pas prendre cela à la légère. This morning, I missed a terrible accident here. Ce matin, j'ai manqué un accident terrible. I was not driving. Je ne conduisais pas. I came back in the morning and I parked the car and the gate was bad. J'ai garé la voiture et le portail était fermé. J'ai supporté le portail et je suis allé dormir. When I got up in the morning, et je me suis levé le matin, the gate was on the car. Était sur la voiture. The distance between the gate and the glass of the back car, a blade cannot pass. La distance entre le portail et la voiture endommagée, même la lame ne peut pas passer. I don't know, it was lying on the bump of the back car, it's not cracked the bump, it's not touched the back screen. Nothing. Sur, it was just there like that. That big gate and the gate. Sur les ampoules de the gate got bent under. Et le portail s'est plié. This is the weight at which it fell caused the iron to bend. But nothing on the car was broken. Afin sorte que le fer se plie, mais rien sur la voiture n'a été détruit. That's how God is protecting you from accidents every day. Arrows by day that you don't see. Les flèches tous les jours que vous ne voyez même pas. So why would the things of God come and make us be reluctant, thinking unnecessary excuses? Nous avons toujours des excuses. Qui ne sont même pas les excuses. Go to wash your dress, go and crack your leg and fall down. Si vous partez maintenant laver vos habits et vous cognez votre pied, vous tombez. Qu'est-ce que vous allez faire? God is just so good to us. Dieu est si bon pour nous. In a way that if we are not careful, we'll be taking it for granted, thinking that he will pensant que nous sommes du même niveau que lui. Moses' followers told him, we want God to talk to us. God is talking to us. Let God talk to us. And when God appears, God will disappear. Les disciples de Moïse lui ont dit, Dieu te parle seulement à toi. Nous aussi on veut que Dieu nous parle. Mais quand la présence de Dieu est apparue, ils ont tous disparu. To talk to you, he has to give you strength to stand. Te parle, il doit te donner la force de te tenir. When he appeared to Daniel, Daniel will. Quand il a apparu à Daniel, Daniel était très. The angel had to touch Daniel. Daniel a juste touché Daniel. La force. He says, now you have touched me, I have energy to sleep. Il a dit, maintenant que tu m'as touché, j'ai only his presence. Seule sa présence. Only God's presence. Seule la présence de Dieu.
we cannot stand it. Nous ne pouvons pas nous tenir devant la présence de Dieu. Sometimes we should imagine who he is. Just always imagine the God you serve. Imaginez toujours le Dieu que vous servez. You have to respect him. You have to fear him. Like fear. Respecter. Vous devez le craindre. Fear, like you fear. Fear him. Vous devez le craindre. Don't be taking excuses from God like that. Donnez pas des excuses à Dieu. Ne le faites pas. Give him all the respect that he needs. Donnez-lui tout le respect dont il a besoin. Not respect your president, respect. Vous respectez votre président. You, then only God comes. Les gens autour de vous. Et quand Dieu vient, because you know God will ask you any question. Vous savez que Dieu ne va pas vous poser de questions. Hallelujah. Amen. My sister said something that I want to encourage a couple of you about it. Je veux encourager plusieurs personnes concernant ce sujet. We are in a year to expand. Nous sommes dans une année où nous devons nous expandre. And last week I told you that. La semaine dernière j'ai dit. When new levels are coming into your life, new demons are added. Niveaux viennent dans votre vie, les nouveaux démons aussi sont plus grands. Then your Bible says in Jeremiah 12, verse 5. Ouvrez vos Bibles dans le livre de Jérémie 12, verset 5. When new things are about to happen in your life, new oppositions will come. Quand les nouvelles choses doivent se produire dans votre vie, les nouvelles oppositions aussi viennent. And if you're not strong enough to overcome this opposition, you'll never go to the next level. Pour vaincre ces oppositions, vous n'allez pas atteindre le prochain niveau. And you see Jeremiah chapter 12 here, look at God talking to Jeremiah. C'est Dieu qui parle à Jérémie. Jeremiah came to God complaining. Jérémie est venu vers Dieu se plaignant. He says, God, the wicked people are prospering. Il a dit, Seigneur, les méchants prospèrent. He says, they're having fun, they're having ils sont joyeux, all the goodies of the world. Ils ont tous les bienfaits de ce monde. He says, God, why do you allow these people to prosper? Il a dit, Seigneur, pourquoi est-ce que tu permets que ces personnes prospèrent? According to Jeremiah, the wicked people were disturbing him from living his life. Selon Jérémie, les méchants l'empêchaient de vivre sa vie. And God looked at Jeremiah. Et Dieu a regardé Jérémie. He said, Jeremiah. Il a dit, Jérémie. If you're racing with men, si tu vis avec les hommes, tu fais la compétition avec les hommes. How? Comment? Can you run with horses? Peux-tu courir avec les chevaux? They said the land was wicked. All the animals had run away. Tous les animaux avaient fui. The land where Jeremiah was living in was very wicked. La terre dans laquelle Jérémie vivait était très méchante. And he tried to tell God that God, I'm not seeing this wickedness. Dieu, est-ce que tu ne vois pas cette méchanceté? God is asking him, if you cannot run with men, Jeremiah, if you cannot withstand the wickedness of men, si tu ne peux pas te tenir devant la méchanceté des hommes. If you cannot withstand that level, how will you withstand higher levels? Comment est-ce que tu vas supporter un niveau plus grand de méchanceté? Last week, Daniel was praying a prayer. Et Daniel faisait une prière. He had started his life by doing what? Interpreting dreams. He had interpreted 5, 6, 7 dreams. Il a interprété 6, and his level was increasing. Et son niveau grandissait. One time you interpret a dream, the next thing they'll put him in a lion's den. Quand il va interpréter un rêve, après on va le mettre dans the more he's trying to progress, plus il progresse, the more they're trying to hold him down. Plus on essaie de le rabaisser vers le bas. And then now he came to a level that the angels, the demons were holding him in the spiritual level. Mais physiquement, Daniel didn't give up. When they sent him into the lion's den, he did what? He on l'a envoyé dans la fosse des lions, il est parti l'entrée. So he was racing with men. Donc, il supportait. Who were fighting him? Qui le combattait. He didn't give up. Il n'a pas abandonné. So now, when the angels saw that Daniel was a faithful servant in the physical, les anges ont vu que Daniel était un serviteur fidèle dans le monde physique. They could now fight his battle in the spiritual. Ils pouvaient maintenant combattre pour lui dans le monde spirituel. Because God says, if you are not faithful with physical things, who bless you? Si vous n'êtes pas fidèle dans les choses physiques. The people were waiting for Daniel to interpret the dream about their next generation, the next future. That was the new level. C'était le nouveau niveau. So he was praying, thinking it's a normal thing. Il priait en pensant que c'était quelque chose de normal. Not knowing that demons had sent higher demons. Sachant pas que les démons avaient aussi envoyé des démons. To stop him from going to the next level. Pour lui empêcher d'aller au niveau suivant. And at that level, Daniel could do nothing. Et à ce niveau, Daniel pouvait faire. But God was faithful to send a higher angel. Mais Dieu a été fidèle, il a envoyé un ange. But why? Physically, parce que physiquement, Daniel was resistant. Daniel était résistant. He refused to eat the food of the king. That's il men fighting him and he's not giving up. C'est ça, des hommes qui se combattaient et n'ont pas abandonné. And he's not giving up. Il n'abandonnait pas. So God is asking Jeremiah, Jeremiah, Dieu demande à Jérémie, you are complaining about Cameroon.
Jérémie, tu te plains du Cameroun. You see, there's so much wickedness in Cameroon. Tu dis qu'il y a beaucoup de méchanceté. That's why you are doing what you're doing. That's why you can't pray. C'est pour la raison pour laquelle tu pries. C'est ma sœur. They don't like me. Elle ne m'aime pas. That's why I can't pray. C'est la raison pour laquelle because I'm hungry. C'est parce que j'ai faim. So God is asking. Dieu demande. If physical things. Si les choses physiques. Get you worry. Te font en sorte que tu t'inquiètes. How will you handle spiritual things? Comment est-ce que tu vas faire pour des choses spirituelles? He gives you one child. Il te donne un enfant. You complain. Tu te plains. He's asking. Il demande. If one child. Si un enfant. Makes you worry. Te met dans l'inquiétude. How will you handle two? Comment est-ce que tu vas faire pour deux enfants? You should understand that in the course of you trying to. Vous devez comprendre. Fulfill your calling in life. Si vous essayez de suivre votre appel dans la vie, you will hurt some people. Vous allez blesser certaines personnes. Knowingly, peut-être vous allez le faire consciemment or unknowingly. Ou inconsciemment. You can't want to try to please everybody. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Sometimes you hurt some people for doing what is right. Des fois, vous blessez des gens en faisant ce qui est juste. All of us, we eat animals. Nous tous, on mange des animaux. It's being who we are. So we hate those animals. Am I right? You hurt them. You kill them. Vous faites du mal à ces animaux, vous les tuez. But it's just being who you are. Nous sommes juste qui nous sommes. Some animals have to eat other animals for them to survive. Certains animaux doivent manger d'autres animaux pour survivre. It's just being who they are. Ils sont juste qui ils sont. Our sister wants to expand her business and people are angry. Notre sœur veut faire agrandir son affaire et les gens sont fâchés. It's just being who she is. Elle est juste qui elle est. Anytime you accept pressure, the surfaces around us what? It feels it. Chaque fois que vous attendez la pression. There's no way we want to expand in life and think that you don't help people. Il n'y a pas moyen de grandir dans la vie et vous n'allez pas blesser les gens. Do you understand? Because there are some people that don't want you to expand. Parce qu'il y a des gens qui ne voudraient pas que vous grandissiez. So if you are trying to please them, you're not going to go anywhere. On n'allait aller nulle part. You are going to hurt the feelings of others to become who you want to be. Vous allez blesser les sentiments des autres pour devenir qui vous devez devenir. So when those people are getting hurt, it should not disturb you. Don't think you're a bad person. Quand ces personnes sont blessées ou font des problèmes, que ça ne vous dérange pas, ne pensez pas que vous êtes une mauvaise personne. Exert more force. Et même give plus more de power force. To what you're doing. Donnez plus de puissance à ce que and when you resist them one, et quand two, vous les résistez une fois, deux fois, trois fois, they'll go away for a while. Ils vont partir pour un moment. Though they may come back later. Bien qu'ils peuvent revenir plus tard. But they'll go away for a while. Ils vont partir pour un moment. So in your path of fulfilling destiny, do not think everyone will be happy with you. You try to be a nice wife, your in-laws will be mad at you because they want you to be bad at it. Ils essayent d'être une bonne épouse, vos beaux vont se fâcher contre vous parce qu'ils voudraient plutôt que vous ayez des problèmes. But your path of life is not everybody's path of life. Mais votre chemin de vie n'est pas le chemin de vie. Sometimes you walk the lonely road and just go. Vous allez marcher sur la voie où vous êtes seul, avancé. But we cannot be weary. Nous ne devons pas être inquiets. With the little that God has put in our hands. Avec le peu que Dieu nous a placé entre nous. You cannot do one thing and you get so tired until you're there resting over nothing. Vous ne pouvez pas faire une seule chose. Vous êtes tellement fatigué que vous allez vous reposer alors que vous n'allez rien faire. God's question to you this morning. La question de Dieu ce matin is either one person. C'est soit une personne. Is more than you to handle. Si une personne est plus que toi. Can you handle two? Est-ce que tu peux gérer deux personnes? Some people complain. The president is like, the president is like. God is asking. Le président ainsi, le président. Have you finished handling your family? Dieu demande, est-ce que tu as fini de gérer ta famille? Then you complain about your president. Tu te plains du président. They have a wife and a son. You cannot. Tu as une épouse et un fils. Feed them. You have three children. Tu you peux cannot pas les nourrir. Tu as trois you enfants. Have tu ten children. You cannot tu as six enfants. Tu peux pas les nourrir. You already have a child. You are alone. You cannot see yourself. Tu n'as même pas un enfant. Tu es seul. Tu ne peux pas. And when they talk about the president, you also quand are there. Quand parle du président, toi aussi tu es là, tu parles. The president is very useless. Le président est inutile. He has not created a job for anyone. How many jobs have you created for your children? Il n'a pas créé des emplois. Combien d'emplois tu as créé pour tes enfants? God is saying that. Dieu dit. Jeremiah. Jérémie. The task that is ahead of you is tax of horses. La tâche qui est devant toi, c'est la tâche des chevaux. But for you to be able to run with horses, et pour que tu sois capable de you must have chevaux, been able to overcome men. Tu dois être capable de vaincre les hommes.
For you to be able to do 10 things, you must have been able to do one and succeed. Pour être capable de faire 10 choses, vous êtes capable de faire une chose et réussir cette chose. Then you add another. Et maintenant tu ajoutes. Then you add another. Et tu ajoutes une autre. It's a concept. You didn't produce all your songs in one day. C'est un concept. Tu as produit tous tes enfants en un jour, tous tes albums, tes chansons. Don't be a house in one day. On ne bâtit pas une maison en un jour. It's level after level. C'est un niveau après l'autre. But at every level, you have to be able to accomplish it perfectly. À tout niveau, vous devez être capable de l'accomplir. And then be aware that next level will come with more. Et sachez que le prochain niveau va venir avec plus de challenges, plus de just like you're going to school, there are levels and there are challenges. À l'école, il y a des niveaux, il y a des difficultés. As often when the teacher teaches you, tell me this is not for class one children, at least. Il y a des choses quand l'enseignant vous enseigne, vous dites ce n'est pas sérieux. Because you are not mature to that level. Parce que vous n'êtes pas. But when there's no, it's your time. They bring it to votre moment. Ils vous présentent cela. Again, every issues you are facing today, tout problème que vous rencontrez aujourd'hui, is at your level to resolve it. C'est à votre niveau de le résoudre. Every issue that is opposing your life, tout problème qui s'oppose à votre vie, is at your level. Et à votre niveau. To resolve. Vous pouvez le résoudre. Paul says it's a race. He says, look at someone who is running. Look Paul at dit, c'est une course. See, look at the boxer. Regardez quelqu'un qui court. Regardez un boxeur. How they do with the boxing life. Comment ils font dans leur vie de boxe. They do all the workouts. Ils travaillent. They do all the eating habits. Ils doivent suivre leur manière de manger. Be able to be fit for their race. Pour être capable d'être fort pour le combat. You as a Christian, you have your own race. En tant que chrétien, vous avez votre combat aussi. You have to do everything it takes. Faire tout ce que vous devez faire to succeed on that path. Pour réussir sur cette partie. J'ai écouté un pasteur qui a un problème avec sa femme. The et social media is just messing up their life. Les réseaux sociaux sont seulement en train d'exposer leur vie. Everybody is trying to justify tout le monde essaie de se justifier. And while you are trying to justify yourself, et quand you tu essaies de justifier, tu te détruis. This person will try to say I'm right. Cette personne a dit j'ai essayé de vivre. And the other person also come and try to say I'm right. Cette personne aussi dit j'ai. And the more you're exposing your husband, the more you're exposing your wife. Et plus tu exposes ton mari. And that's how social media is playing with them. C'est ainsi que les réseaux sociaux aussi. And at the end of the day, they expose each other, then they leave them and laugh at them, and everything is destroyed. Et on se moque de tout et détruit. Play with them like that. On joue avec eux ainsi. You will not run your race and listen to spectators. Vous n'allez pas avancer dans votre vie et écouter you les spectateurs. You can win the argument, but you lose the race. Vous pouvez gagner l'argument, mais vous perdez la bataille. You are running and speaking, you start talking and you stop and start arguing with them. Vous courez quand les gens commencent sont en train d'argumenter. You say your trousers is not okay. You say, but what happened to it? Mais qu'est-ce qui se passe? Then finally you prove to them that your trousers is okay. Tu leur prouves que ton pantalon est okay. And then the race was over. Mais maintenant la course est finie. You winning the argument. Tu gagnes l'argument. And you are losing your race. Mais tu perds ta course. No trophy for you. Aucun trophée pour toi. Why you spend your time trying to justify left and right? Tu perds ton temps de justifier à gauche et à droite. You see, God's nature is he accepts forgiving, accepts sincerity, not excuses. Mais la nature de Dieu qu'il accepte la sincérité, pas les excuses. God is the God who accepts sin. Dieu est un Dieu qui accepte les péchés. Accepts your honesty. Il accepte and then he forgives you and forgets. Et il vous pardonne. If you come to him with excuses, you are deceiving. Si vous venez vers lui avec des excuses, vous le dérangez. You are telling him that if not for sister B, si ce n'était pas pour la sœur B, I would not have done what I did. So honestly, you are not saying you are sorry. Automatiquement, vous ne dites pas que vous êtes désolé. Are you with me? You say, God, I did this thing because this person did this. J'ai fait cette chose parce que cette personne. You are telling God. Without that person, you are very okay. You would not have done that. Vous êtes okay. So you don't need God. Vous n'avez pas besoin de Dieu. Adam complained. Il a puni tous les. Don't come to God with excuses. With excuses of what you did, why you did what you did. Pourquoi vous avez fait ce? You come to him, you are sorry. And if you're okay with him, si vous êtes okay avec lui, he's okay. Il est aussi okay avec vous. He says, when you make your way right with him, he will make your enemies to do what? To be at peace. Sur le bon chemin avec lui, faire que vos ennemis soient en paix. Believe God, who is the most ultimate person who knows all the truths about your life, and be struggling to justify things that. Vous laissez Dieu, qui est la personne la plus puissante de votre vie, connaît tout. Vous essayez de vous justifier chez les êtres humains. Focus
on your life. Focalisez-vous sur votre vie. When those levels that you're trying to change are coming and your demons are approaching you, quand vous essayez de changer viennent et vos démons vous approchent, you have to be wise. Vous devez être sage. Because if you are not wise, parce que si vous n'êtes pas sage, you spend time arguing with your demons. Vous allez passer le temps à vous argumenter avec vos that démons. That has been sent to challenge you. Qui ont été envoyés pour vous challenger. Rather, you're supposed to be running. Alors que vous étiez supposé courir. Yes. When I say spend time arguing your demon, you spend time justifying yourself. Quand vous dites passer le temps à vous argumenter avec le démon, c'est vous dites vous passez le temps à vous justifier alors que le démon rit. When Angel Michael came, the angel carried the prayer left. L'ange qui to go and deliver la prière. Before going back to continue whatever de, he was talking about. But he went on his way. Mais il est parti. He was not there with the devil arguing. Why did he say, who are you? No, no, no. He went out to do what God il est parti faire ce que Dieu l'a appelé à faire. So when people start opposing you, you don't have time to justify yourself. It's not important. C'est pas important. You know who you are despite of what they are thinking. And sometimes they know who you are, they're just provoking you to waste your time. Ils provoquent juste pour perdre. They know you're not a bad person. Ils savent que they don't call you a bad person. Et vous appelez mauvaise personne. And then you start trying to argue that you're a bad person. À essayer d'argumenter que vous n'êtes pas une mauvaise personne. Time is going. Et le temps passe. For you to succeed and expand in life, some people get angry. Be aware of that. Fâchez de vous, sachez-le. And then move on. Et avancez. It's not a big deal. C'est pas un problème. Jesus said, "Why it is day? Let's walk, because at night nobody can do what." Jésus a dit, pendant que le jour est encore là, travaillons parce que la nuit. You heard of a terrible plane crash that people just went. Vous avez entendu parler de ce crash d'avion. Somebody said, assuming that you told your wife that you were traveling and you were not traveling, you were missing. Imaginez que vous avez dit à votre femme que vous voyagez et vous n'avez pas voyagé, vous étiez supposé dans ce. And then now the plane has crashed. Et maintenant l'avion a crashé. They are preparing for your burial. Et on prépare maintenant ton enterrement. It's a good thing that you do not die. C'est une bonne chose que tu n'es pas mort. Mais comment tu vas expliquer? You know that it's good, but what tu pas mort, c'est bien. Mais according to the story, there was no survivor. Selon l'histoire, il n'y avait pas de survivant. So how did you survive? Comment est-ce que tu as survécu? You told me you were going on the jet one tu m'as dit tu partais dans cet avion. And you see, et death, la mort, is a bad thing to men. C'est une mauvaise chose pour les hommes. To us, we see death to be evil. Pour nous, nous voyons que la mort c'est quelque chose de démoniaque. But to God, death is not evil. Mais pour Dieu, la mort n'est pas le mal. When people die, people quand les gens, quand les gens meurent, les gens pleurent. But God doesn't cry when people die. Mais Dieu ne pleure pas quand les gens meurent. He doesn't. Il ne pleure pas. There is no death that is accidental. Every death il n'y a pas de mort qui est accidentelle. Dieu connaît toutes les morts. The reason I'm saying this is because when some people die, parce que quand les gens meurent, some people try to justify why they die. D'autres personnes essaient de justifier pourquoi ils sont morts. I told him not to enter that plane. I didn't think he listened to me. Dans cet avion, s'il m'avait écouté, he would not have died. Il ne serait pas mort. You get the point. I told that person not to do this thing. I didn't think they listened to chose. S'il m'avait écouté. No, this person died because of this. This person died. You try to explain why people die. You don't know why people die. You can never know. Vous ne savez pas pourquoi les gens meurent. Vous ne pouvez pas le savoir. Death is in the hands of God. You don't know. La mort est entre les mains de Dieu. Vous ne savez pas pourquoi les gens meurent. Why people die. Expliquer pourquoi. So stop struggling to give reasons why somebody died. Arrêtez de vous battre pour donner des raisons. Because the person was bad. Because the person. Parce que la personne était mauvaise ou quoi que ce soit. Non, non. All the children who died when Jesus was born. What did they do? Tous les enfants qui sont morts quand Jésus est né, qu'est-ce qu'ils ont fait? All the innocent kids that were brutally killed. Qui ont été tués pour when Jesus was born, what did they do? Quand Jésus est né, qu'est-ce que ces enfants avaient fait? Did God not see it? Est-ce que Dieu n'a pas vu ça? Why did God not stop it? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas stoppé? He took the children into glory. He doesn't have a problem. Maybe someone would have brought up a child that died to Christ even. Peut-être certains d'entre eux n'ont pas donné leur vie à Christ. When Moses was born, how many boys were killed? Combien de garçons ont été tués? Only for Moses to survive, do you know how many people were killed? Sometimes in the course of fulfilling your des fois, people will go. Quand vous essayez d'accomplir votre destinée, les gens doivent partir. C'est pas votre faute. God has no issue with people dying. Dieu n'a pas de problème avec les gens qui meurent.
Because the righteous die to rest. Parce que le juste meurt pour aller se reposer. And leave this world of so many sorrows. Et il laisse ce monde de mourir. That's why we keep encouraging you that while you are alive. Pendant que vous êtes vivant. And those you love are alive. Et ceux que vous aimez sont vivants. Enjoy them. Profitez d'eux. So when they when you miss them, you miss the good times you spend, not the times you were fighting. Quand il meurt et qu'il vous manque, vous allez plutôt manquer les bons moments. My father told my mother, we didn't come here together and we'll not go back together. Mon père dit que ne sont pas venus ici ensemble. Even twins don't go back together. Et c'est la vérité, ils ne sont pas là ensemble. So while we are alive, we should maximize the people we love, maximize the time. Maximisons le temps que nous passons avec les gens que nous aimons. Oh, when they are in the hospital, they are dead. You carry the good things that you planned as you die. C'est pas seulement quand ils sont à l'hôpital ou quand ils sont morts, vous allez porter tout ça. It's a point where the man wants to die after that is judged. It's appointed. The scripture says, you will not add to Jesus' second at that time when he comes. You will not add it. Jésus dit qu'il ne va pas ajouter. So God has the mystery of death. Nobody knows. Dieu seul a le mystère de la mort. Personne d'autre ne l'a. But spend time living happily. Quand vous vivez, passez votre temps à vivre heureux. With those you love. Avec ceux que vous aimez. Avoid all the unnecessary fighting and quarreling. Évitez les querelles. Doesn't help. Ne sont pas nécessaires. Ça n'aide pas. They'll all go someday. You quarreling with you. Ils vont tous partir un jour. Vous allez encore vous quereller avec qui? God wants to do a thing in your life. Dieu veut faire. But I'm honest with you that if. Mais je suis honnête avec vous. You can be faithful with the little things God has put around you. Si vous pouvez être fidèle avec les petites choses que Dieu a placées autour de vous. If God gives you one person to train and then you. Si Dieu vous donne une personne à former. Damage the person. Why would God give you another one? Et vous affectez la personne. Dieu ne peut pas vous donner une autre. He can. He gives you one job and you can give account of the money. Why would He give you another job? De l'argent. Il ne peut pas. He says, if you cannot race with men, si vous ne pouvez pas vivre avec les hommes. Supporter les combats des hommes, vous ne pouvez pas avec les chevaux. If you cannot be accountable with little, you cannot be accountable with much. Choses, vous ne pouvez pas rendre compte des grandes choses. It's levels by levels. C'est un niveau après. And to be qualified for the next level, vous you need to pass the present level that you are in. Passer le niveau dans lequel vous êtes en ce moment. Do you want to run with horses? Est-ce que vous voulez courir avec les chevaux? There's some people in the line of your career that to you they are horses. They are far gone. Les personnes dans leur carrière, pour vous, ils sont des chevaux. Ils sont déjà très loin. And how do you think you run with them? You think you cannot do it? You can do it. Comment est-ce que vous pouvez penser ne pas être capable de le faire? Vous pouvez le faire. You don't just sit and be admiring them. Vous asseyez pas seulement et les admirez, non. Engage into it. Engagez-vous dans cela. And you'll be crossing levels. Et vous allez traverser les and niveaux. You will get there. Vous allez arriver à ce niveau. The God's question is, if you can't do the little, si vous ne pouvez pas gérer les petites choses, says, how will you do the much? Comment est-ce que vous allez gérer les grandes choses? Says, what you are asking me to do for you, I can do it for you. Ce que tu me demandes faire pour toi, je peux le faire. Can you do the one I've already put in your hands? Est-ce que tu peux déjà gérer ce que j'ai mis entre tes mains? The world is not in an haphazard manner. Everything is organized. Le monde n'est pas d'une manière. People don't come into your life by chance. Les gens ne viennent pas dans votre vie par coïncidence. So people come into your life, be careful the way you treat them because they don't come by chance. Faites attention à la manière dont vous les traitez parce que personne ne vient par coïncidence. He says, if you cannot handle another person's affairs, how will you handle yours? Il dit si vous ne pouvez pas gérer les affaires des autres, comment est-ce que vous allez gérer les vôtres? So God can start your life by giving other posting in your care. Tu peux commencer votre vie en vous donnant le contrôle des choses des autres, d'autres personnes. Says I'm watching. Il dit je vous regarde. Is my child going to get mature? Est-ce que mon enfant sera mature? Are you going to cross this level? Est-ce que tu vas dépasser ce niveau? I want you to cross. Je voudrais que tu le traverses. Power is there for you, you can cross. La puissance est là pour toi, tu peux traverser. Dis Jérémie, stop complaining. Dis Jérémie, arrête de te plaindre. C'est quoi, wicked, yes. Jérémie, tu sais, ces personnes sont méchantes. Oui. There are six animals. In Jeremiah, all the animals had gone. Everybody au Cameroun, il y a quoi les animaux? Mais dans l'époque de Jérémie, tous les animaux avaient. Everywhere was filled with wickedness. Partout était rempli de méchanceté. And he took it to God like an excuse. Et il est allé vers Dieu en donnant ça comme une excuse. And God told him, no, Jeremiah. Et Dieu lui a dit non, Jérémie.
That thing you're complaining about is very small compared to what I want to use you and do. C'est trop petit comparé à ce que je veux t'utiliser faire. Are you with me? He says that thing you're complaining about is too small. Trop petite. Compared to what is ahead of you. Comparé à ce qui t'attend. So he says, Jeremiah, I want you. You think Cameroon cannot stop? You think God cannot stop this issue in Cameroon? Vous pensez que Dieu ne peut pas arrêter ce problème au Cameroun? You think he cannot stop? He stopped it in the Bible. Il a fait dans la Bible. With four useless lepers. Avec quatre lépreux. He used four useless lepers to give food to a dying nation when they were eating dogs of cow. Pendant qu'ils vivaient, mangeaient les. It took 24 hours. And gave the nation plenty of food. En 24 heures, il a donné à cette nation beaucoup de nourriture. Donc Dieu sait tout ce qui se passe. You don't need to take it to him again as an excuse. Vous n'avez pas besoin d'apporter ça vers lui. He sees. Il voit. But in the midst of all these hustlings and struggles, God will use his children to mark out the line. Mais dans tous ces trous, Dieu va utiliser ses enfants pour faire la différence. He says in times of problem, count an opportunity for greatness. Il dit pendant les moments de difficulté, voyez cela comme une opportunité pour la grandeur. So our state is not even up to Jeremiah's state. They say here yeah, the animals. Donc notre situation n'a même pas atteint la situation de Jérémie. Parce que là, à l'heure où les animaux étaient morts à cause de trop de problèmes, et Jérémie se plaignait. Il a dit Dieu, pourquoi est-ce que tu ne tues pas tous ces people that are stealing their money, God cheated me because of the damn like that. God says they have nothing to do with you. Dieu dit non, rien à voir avec toi. He says you cannot withstand those little wickedness of human beings. Tu ne peux pas supporter cette petite méchanceté des êtres humains. How will you withstand the wickedness of spiritual beings? Comment est-ce que tu vas supporter la méchanceté des esprits méchants? There are spiritual forces. Il y a les forces spirituelles. That fight us every day. Qui nous combattent tous les jours. At the level that we do not see. Au niveau que nous ne voyons pas. But at the level that we see. Au niveau que nous voyons. God is watching. Dieu nous regarde. So are you able to solve little issues with your êtes-vous capable de résoudre les petits problèmes? So are you able to forgive people and just let it pass? Êtes-vous capable de pardonner les gens et laisser passer? Are you able to be nice to people for nothing in return? Says you can do those little things. Says fine, it's okay. Allow the big ones for me. Laisse les grandes choses pour moi. Focus on the little ones that are facing you. Focus sur les petites choses. You. Que je vous ai de confier. If you want to race with horses. Si vous voulez courir avec les chevaux. If you want to join the fast lane. Si vous voulez jouer la course. You have to come up the slow lane. If the slow lane is more than you, there is never a way you meet up to the fast lane. So rather than admiring people on the fast lane, get done with the lane that you are still on. Avant d'arriver au niveau de la vitesse, vous devez d'abord traverser le niveau dans lequel vous êtes de résistance. Ça peut être dans votre carrière. Ça peut être dans votre mariage. Whatever it is in your job, whatever it is. De la vie. But if you admire those people ahead of you. Avant d'admirer ces personnes qui sont if you are not able to manage one shop, si vous n'êtes pas capable de gérer une boutique, Dieu vous demande est-ce que vous pouvez gérer 10 boutiques? You think God can give you 10 shops? Vous pensez que Dieu peut vous donner 10 boutiques? It's asking you a question. Mais il vous pose une question. If you're not able to manage these things, you cannot manage more. Si vous n'êtes pas capable de gérer ces petites choses, vous ne pouvez pas gérer plus. If you are on the quest to expand your life this year. Si vous êtes prêt à faire grand chose, keep in mind that you are going to be opposed when you want to expand. Que vous aurez des oppositions. Heavy opposition. De grandes oppositions. Even from the people that you love the most. Même venant des personnes que vous aimez le plus. They are going to oppose. Ils vont s'opposer à vous. When Peter opposed Jesus, Jesus didn't quand see that he saw the devil. And he said, devil, Jésus get him. But Peter was his friend. But he was speaking to the devil. So how many times do you speak to the devil in that your friend that is talking to you? And allow your friend in peace. You attack your friend and you leave the devil. And he goes about doing the same thing. Et il va faire la même chose. Using everybody around you to make you have fun with everybody around you. Autour de vous pour que vous ayez les problèmes avec tout le monde. No. Attaque the devil. Attaquez le diable et laissez les gens.
votre vie, qui est de la grandeur dans votre vie cette année. Know that God has made you a champion to run with horses. Sachez que Dieu a fait de vous un champion pour courir avec des chevaux. And he's saying you have to train yourself. Et il dit vous devez être formé. So that when it comes to the time of running with horses, parce que quand le moment de courir avec les chevaux arrive, you don't mess up in 1 minute. Vous n'allez pas tout gâcher en 1 minute. So I encourage every one of you. J'encourage tout le monde ici. Rather than asking God for more, ne demandez plus à Dieu. Handle what is at your level right now. Gérez ce qui est à votre niveau maintenant. Overcome the challenges that is at your level right now. Vainquez les challenges. When you overcome, you don't need to ask God for anything. They open you into a new world. Vous n'avez pas besoin de demander quoi que ce soit à Dieu. Les portes des nouveaux, les nouvelles portes vont s'ouvrir. When problem comes in your life, don't start running away. Sit down. Dans votre vie, ne fuyez pas. Analyze it, fix it, keep going. There's problem everywhere. Il y a des problèmes partout. Everywhere. Partout, il y a des problèmes. Analyse, fixe, analysez-les, réglez-les. Going. Et continuez à avancer. Hallelujah. Amen. Keep going. Continuez à avancer. Vous arrêtez pas. Problem shouldn't stop you. Les problèmes ne doivent pas vous arrêter. Just know that anytime a problem appears before you, sachez juste que quand un problème vient devant vous, ce problème vous fait pas à un prochain niveau. Faites face à ce problème. If you drop it, you're closing your door. Si vous abandonnez, vous fermez cette porte. God says, I'm giving you the land, go and dig it. Dieu dit, je vous ai donné cette terre. There's nothing God has to do for you again that he has done. Il n'y a plus rien que Dieu doit faire pour vous. He has done everything and you just have to keep taking it. Et vous devez continuer à prendre cela et avancer. God didn't pity Jeremiah. Dieu n'a pas eu pitié de Jérémie. Irrespective of the problems that we're facing. Bien qu'il faisait face à des problèmes. He didn't pity Job. Il n'a pas eu pitié de Job. Irrespective of the problems that we're facing. Bien que Job aussi traversait. Simply told them. Il leur a juste. If you are walking with me, you need si to vous marchez avec moi. As long as you know you are walking with me, God, it's okay. Vous marchez avec moi. Okay. If everybody is giving up on you, you say you are walking with God. It's okay. Si tout le monde vous abandonne et que vous êtes en bon chemin, Job. Okay. To the people you are strong, but when you come to me, you are really weak, Joe. Il a dit Job, devant les gens, tu es fort, mais quand tu viens to your friends, you have told your friends that I'm good. Tes amis, tu as dit à tes amis que je suis bon. But with me, I'm seeing that you still don't understand me, Joe. Je vois que tu ne me comprends toujours pas. He says, I need your faith, not that on your friends. I need you and I to walk. J'ai besoin de tes amis. J'ai besoin que toi et moi nous marchions ensemble. He asked Joe questions. Il a posé des questions à Job. Says Job, do you know why the ostrich runs faster than the horse? Il a dit Job, est-ce que tu sais pourquoi les autruches courent plus vite? Well, you see horses for racing, right? But the ostrich runs faster than the horse. Les autruches courent plus vite que les chevaux. That funny bird. Cet oiseau. God says, you created it. Dieu dit que c'est lui qui a créé ce. So saying, Job, even if you have lost hope. Il dit, Job, tu look at creation and know that I still exist. Et sache que j'existe. He says everybody is causing you to lose hope, Job. Il dit, tout le monde fait en sorte que tu perds l'espoir. He says look at the crocodile, the skin. Regarde le crocodile. No spear can go through the skin of a crocodile, Job. Il dit, aucune flèche ne peut traverser la peau du crocodile. Je les ai créés ainsi. So he says if you are losing hope, get up, look at creation. He says, look at sight. Light comes in the morning and drives away darkness and drives away the evil that was done in the night. That's what God has made light to do. When light is coming, it is the world. So one way of security, even without any police, is daytime. When there's light, even people disappear. That's how God has created security for you and I. Dieu a créé la sécurité pour vous et moi. There's no need to get up at 8 o'clock and it's still dark. God is saying, so if all of these things are in order, they keep obeying me. They're in consistency. Elles sont constantes. Know that I'm consistent with your life. Sache que je suis consistant aussi, constant avec ta vie. I've not forgotten about you. Je ne t'ai pas oublié. I just need you to walk. J'ai juste besoin que tu marches avec moi. And God will take you to the lane of horses. Et Dieu va t'envoyer sur la voie des chevaux. Hallelujah. Amen.
Father, thank you, O God. For you've created all of us, O God, to be champions in life. You've called us in different ways and you've gifted us in different ways. And you expect us to be leaders, to be champions in our various areas of giftedness. Father, pray that whatever is slowing us down shall be eradicated this moment in the mighty name of Jesus. God, that whatever is slowing us down in our area of giftedness shall be eradicated this moment in the mighty name of Jesus. That we all shall move from the slow lane into the fast lane.